Il y a des hommes qu'on a pour des riens, aux compliments ou aux sourires. Ah, t'es le plus beau, t'es le plus malin, aux regards qui ne veulent rien dire, mais qu'ils encaissent comme du bon pain. Ça, ils aiment bien. Petit Louis, c'était pas son genre, il marchait pas au baratin. Une vanne aimable, un geste tendre, le laissait tout indifférent. Il semblait pas voir, pas entendre, rien lui disait, il disait rien. La 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 la. Il y a des hommes qu'on juge sur des riens, mais petit Louis qu'on trouvait pêcheur, jactait jamais de ses entreprises. Était-il harangue ou casseur, tricheur, flingueur à la surprise? On savait rien. Les julots aimaient pas son genre, qui parle peu, écoute trop bien. Les gonzesses se contentaient d'attendre de ses zigs un encouragement. Mais lui paraissait pas comprendre, rien lui disait, il disait rien. La 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 la. Y a des hommes qui meurent pour des riens, petit Louis suspect à Pigalle, de rencarder les poulardins, s'est fait effacer près des halles de 6 coups de rapière dans les reins. Au petit matin, les condés, on connaît leur genre, l'ont transbahuté à l'ostro, afin qu'ils puissent canner tranquille et leur dire qui tenait le couteau. Mais malgré les questions subtiles de ce qu'on croyait ses poteaux, petit Louis est mort sans un mot, rien lui disait, il disait rien.